Salut à tous, c'est Nico, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième vidéo de Resident Evil 2 Remake. Donc nous sommes toujours sur le scénario B avec Claire. Donc on s'était arrêté la dernière fois, donc j'avais les deux fusibles à placer. J'ai été chercher tout ce qu'il me manquait dans la salle où qu'il faut rajouter les deux touches là pour récupérer ce qu'il y a dans les casiers. Donc j'ai absolument tout récupéré sauf un ou deux objets, mais c'est des plantes, donc du coup je me suis franchement pas embêté. J'irai peut-être les chercher plus tard, mais encore une fois je ferai hors caméra. Mais ensuite, non c'était là. Donc je devais faire l'énigme avec les fusibles. Alors faut que je ramène le truc ici, donc ça déjà on va le mettre comme ça. Ça comme ça. Ça. Est-ce que je bouge ou pas? Peut-être plus sûr de bouger celui-là déjà. Voilà. Comme ça, je vais le bouger. Ok. Donc, on va mettre ces deux-là. Ça, on n'y touche pas. Ok. Non. Ah, quoique, si. Voilà. Comme ça, on va rebouger celui-là. Voilà. Et non. Ah, peut-être que non. Ah ouais. Du coup, faudrait peut-être que je tourne l'autre. Voilà. Bon, ça c'est fait. Donc ensuite... Allô? Content de te revoir, Claire. On a une affaire à régler, toi et moi. Où ça? Dans le quartier. Tu le trouveras. Chérie va bien? Pour l'instant. Espèce d'ordure, si tu lui fais du mal. Sale mioche. Si tu ne l'avais pas laissé tomber ce truc, j'aurais pu te libérer. T'inquiète pas, chérie. Tout ça sera bientôt fini. Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Bon allez, c'est parti. On va essayer de trouver la sortie. Alors là, je dois mettre un cube, sûrement. Bon, la logique, c'est fermé. Là, il me faut un truc. Par la fenêtre. Ah, attends, c'est quoi? Oh mon dieu, mais c'est quoi cette poupée horrible? Ah putain, comment tu veux que les gosses ils fassent pas de cauchemar, toi? Par exemple. Ah, attends, attends. Oui. On a bien vu un truc à l'arrière. D'accord, ok. Ce qui est bien en fait, c'est qu'ils nous mettent tout à disposition pour pouvoir s'enfuir, quoi. Alors, ça. Ok. Ah ouais, ok, d'accord, ok. Putain, il va falloir que je fasse ça avec tous les cubes. Là, il y a l'étoile, mais là, après, ça fait un truc... Donc là, déjà, celui-là que j'ai fait juste avant, il est pas bon. Celui-là, bah, logique, celui-là non plus. Voilà. Ensuite, ça... Bah, ça va pas être bon non plus. Alors, attends. L'autre, c'est une étoile avec un... C'est quoi? Un triangle? Ok, alors attends. C'est lui qui va me faire chier là. Donc celui-là, on va le laisser. C'est juste. Ouais, tu vois, c'est pas bon. Du coup. C'est quoi ce bordel?
Mais merde. Alors attends. Ok, et... Ah non, ça va pas être bon ça. Donc celui-là c'est bon. Ensuite. Celui-là il est pas bon. Voilà. Non, c'est celui-là, voilà. Ok. Et après on va... Voilà. Bah non, c'est pas bon. Attends. Ouais. Voilà, ça va être plus sûr qu'on fasse comme ça en fait. Bah non, même pas. C'est quoi ce délire? Oh là 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 là. Voilà. Comme ça, l'étoile. Voilà, bah c'est bon. Ah, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Ensuite, une paire de ciseaux. Ah, ok, d'accord. Donc ça va être pour ici. Ok. Je sais pas, moi j'aurais mis un meuble devant, mais j'aurais pas mis un vieux carton qui tient avec du scotch, quoi. C'est quoi cet endroit? Bah, une pièce mal rangée, apparemment. Ouh, ça fait peur. Ok. L'atmosphère est vraiment énormissime. Moi, ouais, j'adore l'atmosphère que dégage certains lieux du jeu. C'est vraiment sombre, juste la lumière de l'extérieur qui passe à travers les fenêtres pour donner ce petit aspect très rassurant. Non, j'aime beaucoup. Ensuite, je suppose qu'il va falloir que tu montes. Ok. Alors là, on va passer. Ah, ok, d'accord. Donc. Ok, donc là c'est bloqué. Là. Ok. Peut-être la porte là. Bah non, ça aurait été trop marrant. Oh, j'ai cru entendre le bruit d'une figurine, Monsieur Raccoon. Donc là il y a une pièce, ok. Là, ah oui, s'accroupir, ok. Ah ouais, il y a une figurine. Ah mais je peux pas la péter avec Chérie. Ils sont très moches les dessins sur le tableau. Ça se voit que ça a été fait par un enfant. Ensuite, le mec qui dénigre les dessins des enfants, quoi. Je peux peut-être sortir par cette porte. Ah bah oui, logique. Ah bah d'accord, j'ai même pas la clé. Mince, il me faut la clé. Non, sans déconner, on n'avait même pas deviné. Alors. Ah. J'entends de la musique bien pourrie. D'accord. Ah, mais là, je suis en train de me diriger vers la pièce où il se trouve. Ah, attends, est-ce que je peux apercevoir quelque chose dans mon... D'accord, un corps sur la table, super. Ok, donc là il y a un truc pour sauvegarder. Ah bah super, c'est accueillant. Hey, mais c'est... C'est pas la fille du maire ou je sais pas quoi, elle? Ok, donc lui il est derrière le... Derrière le drap là. Où tu vas, chérie? Que ça peut te foutre, vieux con? Je t'ai dit de rester tranquille. Il faut que tu apprennes à écouter. Laissez-moi tranquille! Je vous en supplie! Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Manière.
le payer. Petite peste. Oh putain. C'est pas lui qu'on revoit dans Batman là, double face. Ok, donc oh putain, mais il va falloir que oh là 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 là, il faut. Tu vas regretter d'avoir fait ça, crois-moi. Oui oui, c'est ça. Ouais bah du coup on peut remonter quel étage en fait là. Mais si, j'en ai une, mais c'est toi qui as la clé. Je dois me cacher. Ouais, bah tu veux te cacher où, toi, ici? Ouais, bah là, je vois que là. Parce que sinon, je peux pas retourner... Oh putain, il arrive, le vieux. Ah, puis lui, il est en train de fermer la porte à clé, quoi. C'est terminé, maintenant. La porte est fermée. Ah ouais, mais putain, je vais me cacher où, moi, du coup, quoi? Là, je suis... Où es-tu? Je suis à peu près caché, contre mais... Je sais que tu es ici. Oui, mais moi, je vois très bien plus que tu fais le tour. Plus je mets du temps à te trouver, et plus ça va barder. Eh ben moi, d'abord, j'ai même pas peur. Ok. Donc je suppose qu'il va tracer en face. Mais ouais, c'est que c'est tout pété là. Oh non. Ah putain, il revient. Cette petite garce peut pas être bien loin. Putain de merde. Ah t'es à moitié con aussi, toi t'as une lampe torche, mais si tu vois pas où tu marches, on peut pas t'aider mon gars. Ah là 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 là. Ouh là là. Ah merde. Cours, cours. Ah. Fini de jouer, chérie. Non. Vous êtes pris au piège. Non, sans déconner. Merde, mais si je vois pas trop où je peux aller, en fait, je vois pas trop où je peux me cacher. Bon, ben c'est pas grave, on va retenter la chance. Ne croisez pas le rayon de la lampe torche. Merde, j'ai plus le temps de lire. D'accord, donc ça me fait reprendre ici. Ok. Donc en gros, faut que je tourne autour de ça tout le temps, quoi. Ah, la super planquette. C'est terminé maintenant. La porte est fermée. Où es-tu? Montre-toi. Je sais que tu es ici. Plus je mets du temps à te trouver, et plus ça va barder. Je suis désolé, je parle pas beaucoup. J'essaye de me concentrer sur les déplacements du vieux papy. Je suis en train de refaire la même connerie que tout à l'heure. Putain de merde. Mais bon, vu qu'il va repasser, du coup il risque de me cramer, donc du coup faut vraiment bien que je me mette là, voilà. Oh putain. Ok, vas-y, hop, on se décale. Donc là, pour c'est le coup... Dernière chance, t'entends? Oui, oui, j'ai bien... Montre-toi. Oui, ben oh, arrête. Allez. De me gueuler dessus, puis je viendrai peut-être. Ah... Bon. Ah, putain. Ah, ça brûle. Ah, tu m'étonnes, toi. Ok, d'accord. Donc là, il va... Ah, ouais, mais bon. Ah, putain, faut que je récupère la clé. Bon allez, roule ma poule, c'est parti mon kiki, on va aller chercher la clé. Du coup, ça fait quoi, je peux y aller à fond ou pas? On va peut-être, hop, courir, marcher je veux dire.
Ok, là maintenant je crois que je peux y aller en courant. Et hop. Ah putain, la musique est là. Ça veut dire quoi ça qui va me poursuivre? Eh ben moi aussi je me vois, t'inquiète. Allez, vas-y, 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 dépêche-toi. Parce que je suis sûr que papy va se mettre à courir comme un dératé là. Allez, la porte elle est en bas. Oui. Ah putain, non. C'est une vraie blague. Ah putain, papy il arrive. Oh putain. Bon allez. Ouais, en gros, on retourne là où on a voulu prendre la clé à la base. Pour le coup, il fera plus le malin, le papy. Le chef de la police, ah bah v'là l'état quoi. Sérieusement. Bon, du coup, je suppose qu'on va retourner avec Claire. 30 minutes plus tôt. Content de te revoir, Claire. On a une affaire à régler, toi et moi. Qu'est-ce que vous voulez? Tu sais très bien ce que je veux. Apporte-moi le pendentif ou Sherry meurt. Le pendentif? Pourquoi faire? Tu veux que la fille meure? Bien. Où êtes-vous? L'orphelinat. L'orphelinat? Où ça? Dans le quartier. Tu le trouveras. Sherry va bien? Pour l'instant. Espèce d'ordure, si tu lui fais du mal. J'y crois pas. Et merde. Ok. Donc il va falloir que je redescende au parking. Oh, j'entends Bob qui arrive là. Alors attends, mais c'est que lui là. Le tyran, j'espère qu'il va pas me suivre jusque dans le parking. Parce qu'avec Léon, il se fait exploser la tronche dans le parking par Ada, mais vu qu'avec Claire, il n'y a pas Ada. Du coup, on va peut-être garder quelques... Est-ce que je prends des trucs pour me soigner ou pas? Je m'attends à voir... À voir Monsieur X me poursuivre dans le parking, donc du coup... Mais après, bon, ça se trouve, je me foire totalement parce que, vu que c'est avec Claire, on n'a pas vu Ada, donc du coup, il va pas se faire exploser dans le parking. Ah, par contre, peut-être que ça va reprendre. Ah ben non, je viens de l'entendre marcher. Oh, je suis en train de réfléchir. Attends, j'ai dû oublier un truc ici parce que c'est encore en rouge. Ah, ici. Une petite plante bleue. Ok, ça marche. Allez, c'est parti, on va utiliser la carte. On verra bien s'il y a quelque chose qui se passe, une cinématique. Ok. Donc là, déjà, il y a la musique, donc c'est Monsieur X. Encore toi? Salut, toi! Ah, tu me kiffes, hein. Tu parles pas, mais je le vois dans tes yeux que tu me kiffes. Alors attends, là il y a ça, ok, on va la mélanger avec la plante bleue. Ensuite... Ah ouais, d'accord, ok, ben c'est, on repasse par le même passage qu'avec Léon en fait. Sauf qu'il va falloir que je passe par où là? Parce que là-bas c'est...
Ouais, là-bas il y a le. Mince, comment ça s'appelle? L'armurerie, mais c'était Ada qui l'ouvrait aussi. Ah, là par contre je vois des zombies. D'accord, ok, donc il va falloir que je passe ici. Alors il y a deux zombies, plus El Tyrannos. Allez, moi je vous aime tous, suivez-moi. Allez, allez, on me suit. Bon, toi je te fais confiance, tu vas me suivre, mais je parle des deux autres nigauds qui sont au bout là-bas. On va prendre le lance-grenade quand même, on sait jamais. Salut, toi! Ok. Donc, monsieur X, va-t-il me suivre ou pas? Ok, donc là, il n'y a rien à choper. Je vois pas d'autre chemin. Ben, moi non plus, à vrai dire. Et pourtant, Dieu sait que j'ai regardé la map. Par contre, je sais pas à quoi m'attendre. Zombie, pas zombie. Ok. Ah. Bim. Bam. Allez hop, on va pas attendre, on se casse. Oh non. Ah, il manquait plus que ça, des hinches. Ok, c'est parti. Ah bah tiens, bah t'es. T'es pas tout seul? Donc là, il y en a au moins deux, voire trois. Ok. On va passer par là. Ah, excellent, le terrain de. C'est pas le terrain de basket qu'il y a justement au début de Resident Evil 2, la version originale. Ah, joli petit clin d'œil. Carrément. Attends, c'est qu'il y a des chiens. Oh putain, il y a l'escalade de grillage, lui. Allez, hop. On se barre. Là c'est rouge, ben c'est pas grave, on va pas se faire chier à fouiller toute la zone parce que s'il y a le tyran qui nous suit encore en plus. Ah, salut toi! Hop là. Une grenade, ok. Ensuite, ah bah attends, regarde une figurine là. Hop. Ah merde, ça t'a pas tué le. En fait, l'acide ça fait que dalle quoi. Enfin, le barouf qui foutent les chiens. Heureusement qu'ils peuvent pas monter dans le bus. Ça doit être l'orphelinat. T'as déduit ça toute seule ou c'est parce que il y avait des dessins sur la porte? Oh, c'est quoi qui tape comme ça? C'est pas les chiens quand même. Jacques, Ok. salut chérie. Donc pour le coup, on va arriver par quel côté de l'orphelinat? Moi, je suppose que c'est là. D'accord, ok. Alors avec Chéri, il y avait un truc qui bloquait derrière la J'ai le porte. pendentif. Mais là avec Claire, on peut y aller. Chéri, Tiens, mais du coup, est-ce que t'es là? hop, on en profite pour péter ça. Alors là, ça va être bah, ouvert, hein, du coup. Ah, un spray. Une lettre, ok. Il y a quoi là-dedans? Ah ouais, des balles dans une panière à linge. Ensuite. Bon, ben apparemment, il n'y a rien d'autre à choper. Et là, je peux... Bon, ça a toujours bloqué. Là, je peux rien faire. Ouais, donc en gros, il va falloir que j'aille directement à la zone, à la pièce où William Birkin a attaqué Iron. Ok. Alors. Ah, t'es pas beau, mon gars. Eh ben c'est un garçon! C'est pas vrai. Toutes mes félicitations! Bon. Bah toi t'es mort à vrai dire. Mais alors papita, je peux même pas passer quoi. Alors pour le coup... Oh putain le bordel!
Donc là, ok. Ah bah. Au moins, toi, t'iras pas très loin. Ah d'accord, il y a une échelle. Donc on... Ok. Donc je suppose que Chéri est descendu en bas. Ok, bon, mais du coup, on va descendre. Ok, donc là, faut que je descende. Chérie, où es-tu? Donc là, faut que je fasse tout le tour. Ok. Oula, c'était quoi ça? Oh putain, l'enfoiré! Ah ouais, parce que moi je t'attends pas, ma petite, hein. Là, c'est une question de survie. Si tu peux servir d'appât pour que je puisse survivre. Aussi, au contraire, arrête-toi! Fais diversion! Ok, donc là, faut aller ici. Réveille-toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux. Ne bouge pas. Un infecté. Qu'est-ce qui... Chérie. Où est-elle? Chérie va bien. Vous la connaissez? Quelle incroyable démonstration de force. Que lui est-il arrivé? On doit évaluer la situation. Qui êtes-vous? Moi, c'est Claire. J'avais pas prévu ça. Excusez-moi. Où est-elle? Allô? Hein? Oh, oui. Annette. Dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à William? Je sais pas. De qui vous parlez? La créature responsable de tout ça. Aidez-moi à retrouver Chéri. Je dirais qu'il évolue beaucoup plus vite que prévu. Où allez-vous? Écoute, j'ai pas le temps de répondre à toutes tes questions. Tout est sous contrôle, d'accord? Je dois retrouver Chéri. Ne t'occupe pas de ma fille. Super accueillante, la maman. Je viens de sauver ta fille, pauvre cruche. Où est passé, chérie? T'as la meuf, elle est plus préoccupée par l'évolution du virus G dans son mari que la situation dans laquelle se trouve sa fille, quoi. Ok, munition. Donc là, ok, là il y a un passage, mais on va peut-être essayer la porte avant. D'ailleurs, tiens, ça fait combien de temps que je joue là? Ça va faire une demi-heure à peu près. Ok, bon, mais du coup, je vais m'arrêter ici en fait. Donc je prends le dossier qui est là, ok. Et puis, sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Resident Evil 2 Remake, scénario B. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne début de journée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!